Bonsoir à tous, comment ça va bien? Allez, je vous entends tous dire ouais, ça va. Ah bah, je vois qu'il y a toujours ces fidèles, merci beaucoup d'être là, Photo Fernando, bonjour. Et pour la forme, je dis bonsoir Mister Sunform et aussi à tous les suiveurs. Et je vais faire de la même chose, voilà. Aujourd'hui, 13e live quand même aujourd'hui, 13e live et consécutif tous les mercredis soir à 21h30. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube. C'est important si vous voulez voir absolument le suivi, si vous voulez absolument recevoir la petite notification qui va vous dire « Attention, il y a un nouveau live !» Emma Flores, comment ça va? Ok. Alors, si ça va, Fernando, c'est que ça va. Voilà, allez, on va continuer. Est-ce que vous passez d'excellentes vacances? Parce qu'on est encore au mois d'août. Ok, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de soleil, surtout dernièrement. Je sais pas, la semaine dernière, il faisait une chaleur à crever. Cette semaine, il fait pas beau. Mais alors, il fait pas beau, mais à un point. Un point où il fait vraiment pas beau. Voilà, mais c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour mettre le soleil et merci beaucoup. Petite publicité. Tout simple, hein, petite publicité, 13. Salut Adrien, comment tu vas bien? Adrien, comment tu vas bien? Non, ça peut être que bien, normalement. Alors, petite publicité pour Lorraine, si jamais vous cherchez des logos, des cartes de visite, des flyers, etc., etc., vraiment tout ce qui est dans le domaine du design, n'hésitez pas, elle fait un travail de malade, allez-y, elle a le sourire, elle a la patate, elle vous envoie du soleil, c'est juste une crème, allez-y, son lien est juste en dessous. Voilà, un grand merci pour vous d'être là chaque semaine, vraiment, vraiment un grand merci. Je dis aussi un grand merci à tous les administrateurs et les modérateurs de la chaîne Discord, la chaîne qui se trouve juste là, là en dessous, là, ici. Coucou Nathalie, comment tu vas? Et ben voilà, c'est chaque semaine, j'ai le droit à ce coucou, mais c'est juste génial, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup d'être là, c'est juste super sympa, avec le petit smiley en plus qui est retourné comme ça, c'est juste la totale. Merci aussi au groupe de Facebook de Claudio, donc les dépannages informatiques pour vous aider à comment dépanner un ordinateur ou des wifi, etc. Le groupe est aussi, le lien pour aller sur ce groupe Facebook se trouve juste en dessous. Voilà, j'ai juste à vous dire encore 2-3 choses que je répète hein, chaque semaine, mais vu qu'il y a souvent peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver, c'est déjà très bien, merci, très bien, dernier jour de congé. Ah ouais, alors ouais, alors si c'est le dernier jour de congé, ça risque d'être pas cool. Profites-en, t'as encore quelques heures, hein, voilà, t'as encore quelques heures. Really Hungry Hang Dog Hog. Bah écoute, bonsoir, je ne te connais pas, mais bonsoir. Et puis, profites-en bien, tous les cas, voilà, reviens tous les mercredis si jamais t'as et éventuellement, dis-moi si jamais t'as besoin, bien sûr que tu me connais, oulala, attention, je vais me cacher, attends, je vais regarder dans les archives. Alors, principe du live. Vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai sans problème. Voilà, donc allez-y, c'est le principe du live. Défoulez-vous, n'hésitez pas,
j'ai mon écran de contrôle sur la gauche, je vous lis et je vous réponds. Alors, vous allez voir souvent une demoiselle qui s'appelle Pretzel Rock. C'est tout simplement, vous entendez normalement une petite musique de fond, c'est tout simplement le titre et l'artiste qui circulent. Elle ne fait que donner ça, rien de plus, elle ne veut pas participer. En fait, il faudrait qu'on se refasse une bouffe fin de séjour. Bah écoute, avec plaisir, mais je pense que, bah écoute, mets-moi sur la voie, hein, ça va être un jeu de escape game durant tout le live, ça va être trop beau. Aujourd'hui, gros sujet, vous voulez faire de beaux documents, de belles présentations. J'ai voulu commencer par belles présentations, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. On a 25 minutes devant nous pour vous présenter un outil, mais tellement facile, sympa, et enfin voilà. Ben voilà, on va l'attaquer tout de suite. Je vais vous partager donc mon écran et puis on avance. Voilà, donc je vais montrer mon écran. Voilà, je pense que vous le voyez ici. Ben voilà. Donc, le site n'est autre que canva.com. Canva, canva.com. C'est un site qui est plus ou moins, on va dire, gratuit. Alors, pourquoi gratuit? Pourquoi plus ou moins? Buffet végétarien au resto Terre Rouge. ça sent le Alessandro. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent le Alessandro. Mais je mets ma main à couper. Allez, on continue. Canva.com. Donc, Canva.com est fait pour créer du visuel. Donc, quand j'appelle visuel, c'est-à-dire carte de visite, flyer. Alors oui, hein, vous allez me dire, je fais de la publicité pour Lorraine, mais c'est vrai qu'elle fait encore un travail supplémentaire à Canva, c'est qu'elle va vraiment dans le pur détail. Si jamais vous voulez une création d'un logo très particulier, vous pouvez y aller. Ici, c'est vraiment pour créer tout type de documents. Donc, documents, on a documents CV, on a des documents pour une lettre de motivation, on a des documents tout simplement pour une lettre, on a des flyers aussi. Donc, imaginez, vous voulez absolument un flyer, vite là, maintenant, tout de suite là, ou des idées, vous pouvez le trouver directement là-dedans. Donc, nous, on va faire juste un tout petit document. Hein. On va faire, attendez. Comme ça peut aider tout le monde, on va faire un CV. Donc, vous voyez, ici, on vous présente, ici, dans les recommandations, ici, des présentations, des CV, des affiches, des logos, publications Instagram, etc. En fait, ce que va faire Canva, il va vous mettre au format original que les sites vont vous demander. Imaginez, vous voulez, je ne sais pas si vous avez remarqué, imaginez, vous faites une couverture sur Facebook. Vous mettez généralement une grande image, et puis vous voyez que la grande image elle rentre pas totalement dans votre couverture Facebook. Et bien tout simplement c'est parce que vous n'avez pas respecté les dimensions exactes de la photo. Alors là Canva va vous aider à vous dire attention, tu as juste ces dimensions là et lui va vous faire en fait la photo plus ou moins pour qu'elle puisse rentrer totalement sur votre couverture Facebook. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble, mais là on va commencer par le type typique de ce que tout le monde recherche, la plupart des personnes ont besoin, c'est un CV. Donc tout simplement je clique sur CV, voilà, je n'ai pas du tout à faire quoi que ce soit, CV. Voilà. Sur la gauche, j'ai plein de CV. Donc, vous voyez, donc là, ici, j'ai donc les modèles, les éléments, importés, texte, tout ça, on va voir par la suite. Ici, on a des modèles. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs modèles, des CV pour vous. Alors, il me connaît déjà. On a des CV professionnels, on a des CV modernes, on a des CV simples, des CV infographie, etc. Et vous pouvez voir aussi également que dans chaque type de document, on peut voir différents CV. Alors, soit on les regarde directement comme ça, ou alors on peut cliquer sur afficher tout. Et alors, si on affiche tout, on les a en format vertical. À nous, après, de choisir. Alors, vous voyez, donc, il y en a certains qui sont gratuits. Alors, attendez, je regarde le chat. Really angry. Bon, ok, encore une piste. Je préfère un trackball à une souris. Tom ! Bonsoir Tom, enfin Tom, tu es là, merci. Bonjour papa, papa il est aussi là. Oulala, ouh il est fâché Tom. Ouh le smiley qui part de sourire comme ça.
Allez, c'est parti. Donc on continue. Donc vous voyez que en dessous on a des moments où on a gratuit et des moments où il y a rien du tout. Généralement quand on clique sur où il y a rien du tout, c'est que c'est payant. Donc on clique une fois dessus et vous voyez sur votre droite vous avez votre CV. Alors, vous allez me dire c'est super simple, j'ai juste à remplir les données. Eh ben oui, vous avez juste à remplir vos données, c'est tout. Bien sûr vous devez changer la photo. Hein. Je pense que tout le monde ne se ressemble pas à cette dame. Alors pour zoomer, hein, rien de plus simple. Vous avez tout en bas à droite, un pourcentage, donc ici vous pouvez zoomer comme ça. Alors je ne sais pas si on le voit sur l'écran. Ah oui, oui, on le voit sur l'écran, ça va. J'ai cru qu'on ne le voyait pas. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment vous amuser. Donc Docteur Julie, imaginez que vous vous appelez Docteur Sam. Voilà, chirurgienne, on va dire chirurgien, hein, ok, d'accord. Puis on va mettre une jolie photo, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre une jolie photo, importée, une jolie photo, voilà, on va la mettre dedans, hop. Vous avez vu? Vous avez même pas à mettre une format bulle, ni quoi, rien, rien. Vous prenez votre photo, qui est normalement hein, de ce type, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, ma photo elle est complète en grand, comme ça. Eh bien, je n'ai juste à la prendre. Alors, je vais recommencer, hein, parce que c'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. Je viens avec ma photo, pam, et je la mets dedans. Trouvez-moi quelque chose, quand même, qui fait ça super vite. En tout cas, imaginez sur Word. Vous imaginez, sur Word, il faut passer par un traitement sur Paint. Pour ceux qui sont très sensibles à Photoshop. D'ailleurs, le sujet de la semaine prochaine va énormément vous plaire, puisqu'on va parler de photos. Donc on a un arrondi, on va s'amuser à faire sur Paint un arrondi, pour ceux qui arrivent hein, bien sûr, on va essayer de détourer le maximum, après on va le mettre dans le document et après ça part en tout en cacahuète etc. Là vraiment vous avez votre photo, et là imaginez la photo là, elle ne vous plaît pas ici, vous la voulez un peu plus bas. Donc vous avez juste à prendre la photo et à la descendre. Vous imaginez sur Word ce que vous devez faire pour ça. Sur Word, il va déjà vous monter à droite, en haut, à gauche, à droite. Des fois même derrière le document, on recherche la photo, on pète un câble, on prend l'ordinateur, on le jette. Voilà. Alors Adrien, elle ressemble à Tom. Elle ressemble à Tom. Oui, papa est là, attention, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis, hein. Attention. Alors, là, admettons, la photo ne vous plaît pas, vous voulez absolument zoomer sur la tête. Ouais, sur la tête de ce beau gosse, hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça et hop là, bam! Voilà, et c'est fait. Eh, c'est pas beau? Non, mais franchement, c'est pas beau? C'est pas beau ça? Alors, vu que je suis sur la version gratuite, il y a quelques options qui sont bien sympathiques. Alors, comme là, le fond est blanc, ça va, on n'a pas besoin de le changer. Mais imaginez que vous avez un fond vert et vous voulez l'enlever, il y a une option. Donc vous cliquez donc sur la photo, vous faites effet, et là sur la gauche, vous avez effaceur d'arrière-plan. Tout à fait à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, tout à fait à gauche. On a effaceur d'arrière-plan. Et imaginez qu'en un seul clic, mais vraiment, quand je dis un seul clic, c'est vraiment clic avec votre souris, vous allez supprimer tout le fond qui a derrière. Donc imaginez que là, j'avais un fond vert, ben le vert, on ne le voit plus, c'est du transparent. Ok, bon, je rigole parce que c'est une affaire très, 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 très privée. Bon, alors, Docteur Sam, chirurgien. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, je ne suis pas chirurgien, à moins d'être chirurgien pour des sites internet ou alors éventuellement des PC, mais je ne suis pas chirurgien. Et la personne qui voudra faire de la chirurgie avec moi, ça va être uniquement que pour son PC. Donc, profil personnel. Je suis un médecin reconnu par le Conseil National de l'Ordre avec une dizaine d'années d'expérience dans un centre de soins tertiaires. Alors là, maintenant, on va commencer un petit peu à rentrer dans l'ordre du sujet d'un CV. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que l'on veut ce soir. C'était juste pour vous montrer que l'on peut éventuellement, le titre ne vous plaît pas, vous double-cliquez dedans et puis vous pouvez mettre tout simplement, je ne sais pas, moi par exemple, caractéristiques, même si ça se dit pas, hein, caractéristiques pour une personne, mais bon, voilà, on peut mettre tout type de choses, hein, on peut mettre aussi loisirs, voilà. Et ici, on a un grand texte, on peut mettre oui, je vais absolument très bien. Même si parfois c'est pas le cas, je vais absolument très bien. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Voilà, avec le petit smiley qui va avec. Alors,
Sachant qu'avec les petits smileys, je suis un très grand fan de smileys, je pense que vous avez reconnu. Bonsoir Dr Sam, j'espère que vous allez bien. Non, il ne faut pas m'appeler Dr Sam, ok, c'est juste pour l'exemple. Je viens avec le raccourci. Alors sur Windows, pour ceux qui ont Windows, vous avez la touche Windows et le point, et vous sortez toute une emblématique de smiley, chose qui est bien sympathique. Si jamais vous êtes sur Mac, c'est CTRL pomme espace. Donc le fameux pomme, c'est le fameux truc qui... Alors je sais pas si je peux vous le montrer à la caméra, mais voilà, donc c'est celui-là. Voilà, le troisième en partant de CTRL. 1, 2, 3, juste avant la barre d'espace. Voilà. Donc, vous faites CTRL, pomme, espace, et vous avez exactement la même page des smileys. Alors là, vous pouvez rechercher votre smiley hein, avec le petit rechercher. Donc là, imaginez que vous voulez chercher un soleil. Donc là, vous tapez soleil, et hop là, vous mettez un soleil dedans. Voilà, bam, voilà, c'est fait. Voilà, terminé. Après, vous voulez mettre un plus gros soleil. Alors, ne mettez pas de logo de soleil dans un CV, hein, d'accord? C'est juste pour l'exemple. Vous allez dans éléments, là, en haut à gauche, ici, et vous tapez soleil. Alors, il faudrait déjà que je l'écris bien, mais vous avez vu? Je l'écris très mal, et il est venu quand même. Younes, j'adore vos vidéos. Ben, merci, Younes. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, j'espère que tu t'es abonné et que tu as cliqué sur la petite cloche qui te permet de dire que « Attention, il y a une nouvelle vidéo !» Et attention, mois de septembre. Le mois de septembre arrive en furie, hein, j'ai envie de vous dire, en furie. Donc, je vais rajouter un petit soleil, hop. Bon, alors là, il est grand, hein, mais comme vous le savez, on peut dézoomer un petit peu. Voilà, et puis je prends les bords du soleil et je les rétrécis, voilà, ici, et puis hop, je mets un petit soleil là. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, ne mettez pas de soleil dans votre CV, hein, c'est vous le soleil, d'accord, ok, on répète. Voilà, donc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Alors maintenant, vous voulez, par exemple ici, je viens dans carrière médicale. Une petite astuce, hein, pour, alors je sais pas si vous voyez, je suis en train de zoomer comme ça, mais c'est tout à fait normal. Vous appuyez sur la touche CTRL, donc cette touche ici. Vous appuyez sur CTRL et avec votre souris, vous faites, vous roulez vers le haut. Et du coup, quand on roule vers le haut, ça donne ceci. Quand vous roulez vers le bas, ça revient à l'autre sens. Voilà, c'est tout simple, mais c'est bon à savoir. Donc ici, j'ai toujours le même type, hein, un grand titre, un petit titre, encore un autre titre, mais plus fin, et ici, j'ai le texte. Alors, imaginez que, donc ici, je vais descendre ça, et imaginez que vous avez énormément d'expérience à parler, en fait, pour votre futur employeur. Donc vous allez me dire, ah ouais, mais ça a l'air tout attaché. Mais ne vous inquiétez pas, vous appuyez sur le milieu de ce carré, et vous avez ici, et en plus, Canva vous aide, mais avec une grosse étiquette comme ça, en disant, dissocier les éléments. Donc là, je vais dire, j'ai compris, je dégroupe, et là, je peux faire comme je veux. Si j'ai envie de descendre celui-ci, je descends là. Si j'ai envie de prendre ce texte-là et je le mets là, je peux le mettre là. Ben voilà, on peut vraiment tout s'amuser. Et on peut faire aussi du copier-coller. Donc imaginez que je fais ça et je le copie-colle plusieurs fois. Donc je fais la commande... Oula. Je fais la commande CTRL-C, CTRL-V. Donc CTRL C, hein, toujours la même touche, hein, je ne vais pas plus loin, j'invente pas. Ici, CTRL. Alors, pour les utilisateurs Windows, c'est CTRL. Et pour les Maciens, c'est la touche pomme. Donc pomme C, pomme V ou CTRL C, CTRL V. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis, vous pouvez toujours. Alors, si par exemple vous n'êtes pas à l'aise, vous sélectionnez tout ça et vous faites un bouton droit, copier, vous venez en dessous, vous sélectionnez en dehors et vous faites bouton droit, coller. Voilà, bon, alors je veux copier, je veux coller un élément. Alors, les actions suivantes ne sont pas disponibles dans le menu qui s'affiche après avoir un film. Ah, ok, donc il faut vraiment passer par les raccourcis. Donc vraiment, CTRL-C, CTRL-V. C'est pas plus compliqué, hein. CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc ici, voilà, j'ai fait un copier-coller. Et après, je peux faire un autre texte. Donc là, j'étais interne en chirurgie. Là, je suis en externe en chirurgie. Ça n'existe pas. J'ai mis ça comme ça, hein, pour l'exemple, pour le fun. Le soleil dans le CV, c'est bien. Ça éclaire un peu plus le soleil. Alors, c'est en direct au Dakar, au Sénégal. Eh ben, cette vidéo fait le tour du monde. Ah, ce CV-là, tu es sûr d'avoir le job. Allez, total.
Mais alors, vraiment total. Avec le... Hey, chiche, j'essaye. Juste pour le fun, comme ça. Je prends ce CV, Dr. Sam, chirurgien, avec cette même belle photo. Sachant que... Ah oui, j'ai pas dit encore un autre petit sujet sur la photo. On peut effectuer des filtres. Alors, pour ceux hein, qui aiment bien Snapchat ou Instagram, ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. C'est vraiment des effets un peu plus... Elle est un peu plus basique, on va dire, hein, d'accord. Donc on voit, hein, ici c'est en noir et blanc, ici c'est un peu vintage, un peu là c'est nordique, et on peut choisir l'intensité de nordique. Donc vraiment, on peut vraiment s'amuser avec la photo, hein. C'est vraiment, voilà, je passe du coq à l'âne, hein. Je passe du texte à la photo, mais bon, c'est vraiment pour les idées qui viennent, parce que si je devrais faire une formation sur Canva, je pense qu'on est là jusqu'à minuit, mais on n'a que... Eh ben on a que 11 minutes encore et on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer certaines choses qui sont bien sympathiques. Donc, je pense que vous avez un petit peu compris le principe de Canva. Enfin, en tous les cas, pour ce CV-là, par exemple, vous devez prendre des éléments un petit peu partout et vous pouvez changer. Admettons, voilà, vous n'êtes pas trop fan de ce bleu-là. Vous voulez, voyez le bleu qui se trouve... Alors, je remets le CV un peu plus comme ça, voilà. Voyez le bleu qui se trouve là en dessous de la photo. J'aime pas trop. J'aime bien quand c'est un petit peu plus rouge, alors je n'ai qu'à cliquer dessus et en haut à gauche vous avez le bouton de la couleur. Il suffit juste de choisir le bleu et donc là à partir de là vous choisissez une autre couleur. Bon là c'est du rouge, ça le fait pas trop. Mauve encore moins. Allez, on va mettre turquoise, voilà, parce que j'aime bien le turquoise. Voilà, alors voilà, je me permets de changer en turquoise. Le bleu ici je vais le charger aussi autrement, donc je vais prendre un bleu, allez, je vais prendre plutôt un orange. Voilà, bam, voilà. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, maintenant, ce que l'on peut faire, et on peut également supprimer. Donc, imaginez que là, vous aimez pas trop comme ça. Ah, mais vous préférez peut-être... ah, c'est bien comme ça, ici, là. Voilà, tout en rectangle. Voilà, après, je vous laisse vous amuser. Hein. Là, ici, vraiment, c'est vraiment pour voir les premières... comment on appelle, les premières nécessités dans Canva, mais voilà. Alors, Rosa, bonsoir. Bonsoir Rosa, tu connais l'application et t'adores. Ah bah oui, alors là, franchement, quand on l'utilise, on l'adopte. C'est un fait, on peut pas s'en passer, je suis d'accord avec toi. Donc, là, je supprime ça. Enfin, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre. Si jamais vous avez des questions comme ça, pour tout ce qui est comme ça. Je ne sais d'ailleurs pas quoi, ce que je voulais dire. Ah oui, la présentation. Donc là, je reviens à l'accueil. Vous connaissez sûrement ce logiciel qui s'appelle Microsoft PowerPoint, qui est juste génial. Hein. C'est, attention, je ne dis pas le contraire. Hein. C'est un logiciel extrêmement performant. Mais je peux vous dire que Canva fait des trucs encore mieux. Et quand je dis trucs, je parle en présentation. On va le voir ensemble. Donc, dans présentation, ici... ici, je peux donc choisir plusieurs types de présentations. Donc, présentation, par exemple, sur l'enseignement, présentation d'événements, de brainstorm, de marketing. Vraiment, c'est vraiment extrêmement complet. Là, je vais prendre un truc pour l'enseignement. Voilà, je vais prendre celui-ci. Et je l'applique aux 18 pages. Voilà. Voilà, c'est tout. Paf. Je le mets pour les 18 pages. Donc, ici, en dessous, j'ai 18 pages avec lesquelles je peux faire une présentation. Mais alors là, le truc le plus... hardcore qui pourrait arriver, c'est que non seulement vous pouvez le télécharger en PDF, mais vous pouvez aussi le télécharger en vidéo MP4, ce qui est juste impressionnant. Imaginez, vous voulez faire une présentation avec une petite musique à l'intérieur, vous pouvez le faire avec cette version. Et en plus de ça, vous pouvez le présenter en direct. Donc imaginez, vous travaillez comme un malade, ok, vous voulez absolument faire une présentation le lendemain à une personne. Ou à votre boss, ou à votre supérieur, enfin voilà. Donc vous voulez faire une présentation. Vous travaillez au travail, bien sûr, vous travaillez, et puis alors, vous dites, mince, je dois absolument continuer. Ben là, vous avez juste en fait à vous déconnecter d'un côté, vous rentrez à la maison, vous vous reconnectez, vous mettez votre login et votre mot de passe, et vous pouvez continuer votre travail. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir le lendemain, vous rouvrez Canva, et puis là, vous appuyez tout simplement sur « Présenter ». Alors là, il va vous dire soit en type standard, soit en lecture automatique, soit en vue présentateur. Il faut savoir que la vue présentateur, il faut avoir deux écrans. Donc, c'est le vôtre plus le projecteur. Donc là, on ne peut pas faire la démonstration puisque je n'ai pas de projecteur autour de moi pour pouvoir vous faire la démonstration, mais c'est le cas. Vous avez donc votre
votre visuel ici. Et quand vous envoyez la présentation, la personne ou les gens qui seront autour de vous, ou votre boss, ou votre responsable direct, vos collègues, pardon, va voir juste uniquement cette partie-là, cette partie blanche avec laquelle on voit la cagnotte, avec la personne qui est assise sur la chaise. On ne verra que ça, on ne verra rien autour. Vous allez voir toutes les options disponibles, mais c'est sur le projecteur, ne sera affiché que seulement la partie qui doit être affichée. C'est vraiment extrêmement puissant. C'est dans le puissant dans le sens où, voyez ici, je travaille uniquement sur un compte gratuit et on peut déjà faire ce genre de choses. C'est juste impressionnant, on est d'accord. Il faut savoir que si vous prenez l'abonnement, attention, je ne fais aucune publicité pour vendre quoi que ce soit, je n'ai pas de code de réduction à vous donner ni quoi que ce soit, je ne suis pas du tout sponsorisé par Canva, je veux juste vous dire qu'il existe donc ce genre de procédé pour aller plus vite pour vous. Par contre, si jamais vous voulez mettre d'autres photos, donc imaginez, bon, la cagnotte, j'aime pas trop cette photo, j'aimerais bien en choisir une autre. Je vais dans éléments, je vais chercher justement cagnotte, bam. Je sais pas qu'est-ce que je vois, jackpot. Ouais, on peut prendre celui-ci. Et vous voyez, celui-ci est déjà une image pro. Alors, c'est quoi l'image pro? C'est tout simplement un abonnement que vous allez prendre. Et si vous prenez l'abonnement, vous aurez accès à toutes les photos qui sont disponibles dans cette bibliothèque. Et elle est immense, cette bibliothèque. Si jamais vous pouvez pas imaginer, hein. Enfin, je veux dire, là on le voit, hein. Quand on met la souris dessus, on voit une espèce de petit couronne comme ça avec marqué pro. C'est tout simplement pour vous dire, voilà, cette image elle est payante. Et quand elle est payante, généralement, et que vous êtes sur un compte gratuit, ça fait ce genre de choses. Donc ça vient pour vous montrer, hey, t'as vu, elle est belle la photo, mais après vous avez tout de suite les petits carrés. Effectivement, une fois que vous payez l'abonnement, qui est de 14€, je crois, mais si vous fouillez un petit peu, je pense que vous pouvez l'avoir même à 10€ par mois, vous avez quelque chose d'extrêmement puissant. Et sachez que ça peut vous avancer dans votre travail. Alors certes, ce n'est pas Word, ce n'est pas Excel, ce n'est pas PowerPoint, vous êtes sûr d'avoir une valeur sûre. Voilà, je sais pas, c'est un peu répétitif, hein, le mot sûr, mais c'est le cas. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qui est diaporama, éléments, présentation. Enfin voilà quoi, vraiment on est rempli de documents. Je vais tout de suite mettre, et je pense que c'est pour terminer puisqu'il nous reste encore 4 minutes, je vais vous montrer les couvertures Facebook. Tout à l'heure, je vous ai parlé, donc imaginez vous mettez une photo, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous mettez une photo sur Facebook, sur la couverture de votre Facebook, et puis vous voyez rien sur la droite, ni en haut, ni, enfin voilà, ou alors c'est trop zoomé, ou alors même c'est trop petit, puis il y a des espaces bruns autour, enfin bref. Toute la panoplie du débutant, faut le dire ce qui est, ça m'est arrivé, je suis passé par là, donc ne vous inquiétez pas, on apprend de toute façon avec le temps. Ici, vous avez donc les couvertures Facebook. Les couvertures Facebook, c'est tout simplement pour vous donner un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Donc là, par exemple, je vois un petit truc bien sympa là, ici. Ah, mais vous voyez, ouais, tout de suite, voilà. J'ai vu, c'est tout de suite sympa. Quand je mets la souris dessus, on voit pro. Bon, allez, on va prendre un truc gratuit. Il n'y a pas beaucoup de trucs gratuits, mais allez, je prends ça. Allez, c'est beau, c'est magnifique, on voit une petite montagne. Voilà, horizon. Donc, même chose, hein. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans les clous de Facebook. C'est-à-dire que si vous mettez votre photo à l'intérieur, elle va respecter telle quelle la dimension. Y a-t-il une version pas chère, docteur? Alors, si tu veux, on peut regarder ensemble. On peut regarder ensemble s'il y a une version, avec une réduction, donc avec un code de réduction. Je peux essayer de fouiller ça et puis vous le poster sur les commentaires sur Facebook. Mais j'ai un peu peur que pas cher, je sais pas. Pas cher, déjà là je suis en version pas chère gratuite. Donc c'est-à-dire 0€, et je peux me permettre quand même de faire pas mal de choses. À toi après de chercher effectivement d'autres photos. Voilà, donc là je vais mettre cette photo-là ici sur le côté. Ah oui, il y a un truc bien sympa, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc dans les éléments, on peut mettre même plusieurs grilles. Voilà, donc admettons ici je vais mettre une grille de deux photos. Donc ici je vais chercher une photo, n'importe laquelle, hein, voilà celle-ci. Voilà, et je vais mettre celle-ci. Voilà. Je double-clique dessus, je veux savoir, voilà, je veux mettre là comme ça, je double-clique là-dessus, et puis je mets,
Je double-clique sur la photo et je monte pour montrer juste le haut de la tête. Voilà. C'est juste parfait quand même. Je peux faire encore un autre truc. Alors, je vais mettre encore un autre truc. Donc, je vais supprimer tout ça. Bam, voilà. On va enlever la photo de fond. Je vais mettre une autre grille. Admettons, vous voulez une grille avec... voilà. Avec 4 photos. Voilà. Et c'est beau ça quand même. Enfin, je veux dire, voilà, je viens dans photo. Ouais, ça a l'air un petit peu pas cool. On va mettre ordinateur. On voit le fan d'ordinateur. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Je veux mettre. J'ai pas le choix de beaucoup de choses. Hein. Donc, je vais faire avec ce que j'ai gratuit. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, j'ai toutes mes photos. J'ai juste à choisir là où je veux que ça montre. Je viens là, voilà, sur le côté. Je viens, oh, celle-là, elle est bien sympathique. Quoique, on peut mettre ça avec le téléphone. Et puis là, ici, on met un petit peu de programmation. Voilà. Hey, elle est pas géniale. Vous avez vu, en quelques clics, j'ai fait ma couverture de Facebook. Vous pouvez pas me dire quand même, c'est super compliqué. Après maintenant, je peux m'amuser encore à mettre un logo. Donc je vais mettre logo, je sais pas si ça va prendre. Mais voilà, par exemple, je vais mettre le compte Insta ici, bam, dessus. Hop. Et je peux mettre, tant qu'à faire, Facebook. Bam. Hop. Hop. Tu peux faire que ta photo soit transparent là aussi. Alors, laquelle des photos? Par exemple, si tu veux qu'elle soit transparent, alors je sais pas si c'est faisable avec la version gratuite, mais je vais te le dire tout de suite. Tu cliques dessus, et ici, là, tu as transparence en haut à droite. Tu cliques dessus, et là, tu peux te permettre de faire plus transparent. Voilà, donc vraiment, vraiment, vraiment hyper complet. Vraiment hyper complet. Voilà, le live. Malheureusement, et ça passe trop vite, 30 minutes avec vous, ça passe trop vite. En plus, vous êtes tous sympas. Roadlave, bonne présentation, Sam. Ben, merci beaucoup, Roadlave. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça me fait mal au cœur de vous laisser comme ça. C'est tellement bien parti. Voilà, et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur Canva, si jamais vous avez des questions pour des présentations, n'hésitez pas à revenir vers moi, m'envoyer un petit message en commentaire privé, je vous répondrai, ou alors même en dessous des commentaires, pas de problème, vous aurez une réponse. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao !